Je suis Lina Côté. Je suis née dans des petites bottines de coach et j'ai cherché toute ma vie ce qui pourrait rendre les gens heureux. Peu importe où je me retrouve, dans un parc, sur la rue, dans un café, je coach. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des gens dans une démarche de transformation. Je suis membre de ICF, une organisation mondiale en coaching, de ICF Québec, ainsi que de l'Ordre des travailleurs sociaux. Je vis à Limoilou depuis 25 ans et je veux offrir des moments de coaching dans des cafés, restos, terrasses de la 3e avenue à Limoilou. Présentement, je fais le grand saut. Je me lance dans le vide, sans filet, comme entrepreneur, afin de vivre de ma passion, le coaching d'exception VIP. Le coaching d'exception VIP est un accompagnement à court terme, axé sur des résultats véritables, immédiats, permanents. Parce que les changements obtenus sont réels, parce qu'il y a des résultats significatifs dès la première rencontre et parce que les changements durent dans le temps. À chaque rencontre, on fait d'importantes prises de conscience qui mènent à des actions immédiates. Un moment de coaching, c'est quoi au juste? C'est un moment que l'on prend pour réfléchir sur un aspect de sa vie personnelle ou professionnelle, même dans un espace aussi simple et convivial qu'un café, un resto, une terrasse. Pour réaliser mon projet, j'ai besoin de vous. Par le biais de La Ruche, je vous invite tous à participer avec moi à la réalisation du projet Moment de coaching, un projet unique et novateur au Québec visant à me faire connaître comme coach d'exception tout en apportant un souffle d'avant-garde à l'économie des commerçants de la 3e avenue à Limoilou. Nous pourrions déjà, avec 5 000 $ commencer à promouvoir les bienfaits du coaching, cette profession émergente et méconnue, et bien sûr, de faire vivre des moments de coaching à un grand nombre de personnes dans une atmosphère conviviale et décontractée grâce à l'accueil chaleureux de nos hôtes, les propriétaires, qui nous offrent un petit coin sympathique dans leur café, resto, terrasse. Les gens l'adorent. Elle a une énergie qui ne s'éteint jamais, qui se renouvelle continuellement. Elle est intéressée, elle est avide. C'est comme si dans la vie, ce qui l'intéressait, c'est l'esprit de l'autre. Comment l'autre pense, comment il est, comment il vit, et comment peut-elle apporter du bonheur dans cette personne-là. C'est ce qu'elle repère. Elle est comme attirée par l'esprit des gens, surtout s'ils sont heureux.